Salut tout le monde, c'est Pixel, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi je vais super bien, on se retrouve aujourd'hui les enfants pour Crysis. Et oui, j'avais envie de vous le faire, j'avais envie de retourner sur Crysis depuis bien longtemps les enfants. Le jeu est sorti je crois entre 2006-2008, voilà, je suis désolé, il y en a qui vont dire non, alors c'est 2005... J'étais né et je m'en souviens parfaitement. Mais en tout cas, merci Pixel de retourner sur Crysis. Eh ben merci beaucoup à vous, et ça me permet de jongler les enfants. Vous voyez comme quoi c'est travailler les vidéos. De jongler sur le remerciement des personnes qui s'abonnent avec les abonnements payants de la chaîne. Merci beaucoup, ça m'évite aussi de vous envoyer à chacun un message personnel. Je pourrais le faire, mais je préfère le dire de haute voix par respect. Merci beaucoup, merci aussi à tous ceux qui utilisent en ce moment les liens de la chaîne, que ce soit Instant Gaming ou qui viennent sur le Discord, ça aide énormément la chaîne. Déjà le Discord parce que ça me permet de vous avoir aussi et de discuter avec vous si vous avez des questions et aussi d'influencer sur ce qui arrive sur la chaîne. Et merci à tous ceux qui investissent dans la chaîne, ça permet d'acheter du matériel. Il va y avoir des dingueries normalement cette année, j'espère, si j'ai assez aussi pour mettre de côté. J'aimerais bien faire des courts-métrages, il y a un deuxième PC qui est arrivé pour faire les JDR. Bref, beaucoup de choses grâce à vous, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater si vous venez de débarquer sur la vidéo. Merci beaucoup. Et bien écoutez, on est parti, on va lancer Crysis. Je vais passer juste la cinématique du début où ça fait maximum speed, maximum force, maximum moins de Shaolin. Non, en fait, c'est une vidéo, mais en 1046, je crois, par 720 ou un truc comme ça. Enfin, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est gerbatif. Et on va se retrouver directement, les enfants, dans l'AC-130 pour une mission d'infiltration sur une île des Philippines où la Corée du Nord, voilà, a, on va dire, mis main basse sur toute l'île alors qu'il ne devrait pas être là. Et oui, encore une fois, Pyongyang Expedition est devant nous. Kim Space est devant nous. Il y a des archéologues américains qui ne donnent plus signe de vie. Voilà, parce que c'est l'archéologie américaine, les enfants. Vous savez ce que ça veut dire. On sait lire les hiéroglyphes comme ça, à la mano, sans avoir fait d'études. Bref, c'est parti. On y va. Nouvelle partie. On se met en normal. Cliquez, jouez. Alors ça, je vais le passer. Voilà, je vous le dis. Je passe directement. Zéro sous. Il fallait un PC de la NASA, les enfants, pour le faire tourner à l'époque. Quand je vois comment ça charge, j'avais un ami qui avait le jeu. Il avait acheté un PC exprès pour y jouer. Mais le PC, il avait payé une blinde. Un truc de dingue. Bon, maintenant, on peut les faire tourner. Mais vous allez voir, il est magnifique quand même. Pour l'époque, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. 2006, je crois, ou 2007. Enfin, dans ces eaux-là. Oh mon dieu! Ah ouais! Ah ouais, et Kim Space qui arrive et qui... Ils ont découvert Jean-Luc Mélenchon. Et le LFI! Mon dieu! 7 jours plus tard, à l'Assemblée Générale. Sur les lignes Langshan, mer des Philippines, 14 août 2020. Ouh, mais ça s'est passé il n'y a pas si longtemps. Il faut savoir qu'il est sorti près de 15 ans sur ce qu'ils ont marqué. Enfin, près de 15 ans avant. Il est sorti en 2006, je crois. 2007. Oh là là! La mission de reconnaissance déjà niquée, quoi. Nous sommes à 25 000 pieds, direction est. On a des interférences radar. Comme si un orage électrique se préparait. Oh punaise. Les mecs, allez. Mission de reconnaissance avec un AC-130. C'est parti. Reçu, commandant. Le radar doit déconner. TAE avant largage, 3 minutes. Oh là 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 là. On va être largué depuis les airs. Balaba. Hey Nomad, vous êtes avec nous là? Ouais, je suis là. Je parle à mes abonnés. Très bien. Écoutez les gars. Les renseignements font état d'une présence militaire importante sur l'île, mais l'effet de surprise joue en notre faveur. Les Nord-Coréens ne savent pas que nous sommes là. Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. La ferme, Psycho. Écoutez-moi. Nous sommes ici en mission secrète. Il faut localiser et évacuer les otages. On n'est pas en guerre. Pas encore. Mais qu'est-ce que... En fait, on sait si les otages sont encore en vie.
C'est à nous de le découvrir. On a perdu le contact avec le docteur Rosenthal la semaine dernière, quand l'APC a bouclé l'île. Avant-hier, on a reçu un signal de détresse en provenance du bateau des chercheurs. Quelqu'un a besoin de nous, là, en bas. L'équipe Raptor approche en cours. Attendez le feu vert. Ok, préparez-vous, mettez vos masques. Oh là 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 là, les enfants. Dès que vous sortez de l'avion, calez-vous sur moi. Oh là là là. Je vais vous guider. C'est magnifique. Largage dans 5, 4... Le boulot de malade mental qu'il a dû avoir pour faire ce genre de jeu à l'époque, avec les processeurs qu'il y avait. Ouais, mais ça a pas l'air pratique. Regardez comment il court. Ah, l'armure qui est trop lourde. Ah merde, on n'y avait pas pensé. Bon, ben... Oh, il y a des navires, là. C'est quoi? Pourquoi il y a des navires? Non. Le JSOC nous envoie la chasse aux archéologues, maintenant. Bon, on n'a pas le choix, de toute façon. C'est les ressortissants américains. Il a dû trouver un sacré truc pour que ça passe autant de barouf. Vision nocturne. Ouais. 50 billets qu'on n'est pas venu là juste pour récupérer ce Rosenthal. Un peu de silence, les gars. Restez concentrés. On a très peu d'infos. Le centre opérationnel va s'installer sur l'USS Constitution. Mais en attendant, il faut qu'on se débrouille. À mon commandement, ouvrez. Oh punaise. On ouvre comment? On ouvre. Oh punaise. Hop. Yep. Mais pourquoi moi? Parce que c'est le script. La principale est la balle de secours. Du calme, ça va aller. Ah bah oui, à cette vitesse, c'est comme taper un mur. Nomad, quel est votre statut? J'ai mal. Ça va, ça va. Mais mon interface est brouillée. C'était quoi ça? J'en sais rien, mais c'était pas la zone d'atterrissage. Nagez jusqu'à la plage. Ah non, mais merci. J'y vais. Merci beaucoup. Quelqu'un s'est posé dans la zone d'atterrissage? Vous êtes tous éparpillés. Objectif. Merci, Psycho. Entier et pas loin. Merci, Bouffon. Je rejoins la zone. Aztec, j'ai un retour visuel négatif pour vous. Répondez. Oh, il y a des navires. Aztec, répondez. Bon sang. Oh là là. Il y a une présence militaire de dingue. Il y a déjà un hélicoptère. Je vois qu'on fait de l'infiltration comme les archéologues américains qu'on va chercher. Ils sont archéologues, hein, tu vois. C'est l'infiltration navire américain. Ou alors c'est peut-être des navires nord-coréens, mais je pense pas. Ils ont la tête d'un navire américain. Et ils parlaient d'un navire américain, le QG, en disant que, enfin le notre chef, en lui disant que ça va être notre base d'opération. Bon, en fait, on est arrivé. Oh, la tortue! Le choc avec l'eau a laissé des traces. Certaines fonctions de votre combi sont touchées. Ah. Je vais examiner tout ça. Ah non! Il va me voir tout nu. Votre signal vidéo déconne. Je vais essayer d'y remédier. Vous avez un trop gros sexe. Ça a fait des interférences lors de la chute. Bon. On m'appelle la poutre. Alors, attention. Toujours aucune nouvelle d'Aztec. Nomad, rejoignez Jester et rendez-vous à la position d'Aztec. Non, je vais pas mettre de lampe torche. Passons à l'affichage des objectifs. Ok, c'est bon. Tab. Alors, objectif. Nickel. On y voit carte stratégique en ligne. Américain, bien entendu. Et là, il se trompe, le drapeau nord-coréen. Alors, la Corée du Nord occupe une île de la mer des Philippines en toute illégalité. C'est ce que j'ai dit en début de vidéo. La PC détient également le docteur Rosenthal et son équipe composée de 4 archéologues américains évacués les 5 otages. Ok, alors s'ils sont vraiment archéologues... Oh, la tortue. Oh non, je peux la ramasser. Attendez. Je fais comment? Oh! Comment ça va, toi? Et je vois bien là. En fait, il faudrait quand même... Vous faites quoi, là? Il faudrait quand même venir. Bon, allez, on va la poser là. Allez, viens. Allez, nage. C'est bon? Eh ben, nage. Parfait, voilà. Brigitte Bardot va nous donner un bon point. Allez, zoom, on avance. Regardez comme c'est beau! Enfin, pour l'époque, c'était beau, hein. Bon, maintenant, quand tu regardes les textures, elles sont dégueulasses. Mais pour l'époque, il fallait un PC de la NASA, les enfants. Un PC de fou. Un PC qui te réchauffe même s'il fait moins 40 dehors. Un PC de dingue. Allez, Zou, on avance. Pour le moment, on n'a mis aucun super pouvoir parce que notre magnifique armure nous permet de maximum protection, maximum speed. Vitesse maximum. Voilà, avec la voix, bien entendu, d'un dépressif. Force maximum. Et l'invisibilité. Camouflage activé. Oh oui. Camouflage activé. Je vais aller me chercher un café.
Allez, on avance. Zou. Bon, on n'est pas à poil. On a 200 munitions sur nous. On a le sélectionner le mode de tir. Je vais mettre en coup par coup, les enfants, parce qu'on est quand même dans une semi-simulation militaire dans le premier. Et c'est un vrai nanar, hein, les enfants. C'est un vrai nanar. Hein, on va dire, c'est une série B, hein, l'histoire. Nanar ne veut pas dire que ce soit nul. Hein. Il peut y avoir des nanars qui sont super bien. Mais en gros, c'est un mélange de La Guerre des Mondes, de Alien et d'un film de Chuck Norris. Hein. Vous allez voir, ça veut absolument rien dire, les enfants. Bon, en tout cas, Pixel, t'as une armure de dingue, donc tu risques rien. Et oui, et en parlant de ça, excusez-moi, mais une mission d'infiltration où t'envoies 4 mecs avec des unités, enfin avec des armures du futur, tu les envoies pas tous les 4 sans renfort, alors qu'ils peuvent se faire choper, quoi, tu vois. Le nanar est là, quoi. Bon, on avance. On peut même se coucher, moi, mais je vais pas me coucher, les enfants. Je vais mettre en vision nocturne. Voilà, un petit peu. On avance. Waouh, l'attaque de mêlée. Laissez passer. N'oubliez pas de mettre votre silencieux. Ouais, c'est bon, je l'ai fait. Je l'ai fait avant. Je vous ai doublé, les gars. Vous êtes naze. Attention, Nomad. J'ai un contact ennemi juste un peu plus haut. Ah oui, je le vois. Je l'avais pas vu avec la vision nocturne. Je vais essayer de l'avoir. Oh là là. Ouah, ça marche. Ça déconne zéro. Est-ce que je peux me mettre... Voilà. Camouflage activé. Camouflage activé. Je vais essayer de l'avoir. Niveau d'énergie critique. Voilà, parfait. Sans bavure. Il y a eu 12 000 tirs, tu sais. Camouflage activé. Ouais, il a le bras en l'air. Je peux le ramasser? Non. Ça va, son collègue l'a pas vu. Et ce qui est bien, c'est que vous allez voir. Je vais mettre en... Voilà, en armure maximum. Regardez les débris dans l'eau. Je crois qu'on a vu des débris, non? J'ai cru. Mais pour vous dire, l'effet d'eau et tout, c'était une dinguerie à l'époque. Camouflage activé. Ouais, c'est des crabes, en fait. Niveau d'énergie critique. Voilà, parfait. Voilà, on s'en est occupé. Parfait. Prendre, c'est quoi ça? Prendre quoi? Vas-y. Ouh! Une arme! Parfait. Et est-ce que je peux mettre un silencieux? Oh, bah oui. On va se mettre avec l'arme de l'ennemi, tu vois. Comme ça, s'ils voient des morts, s'ils font une enquête, voilà, c'est leur propre arme. Ils vont se dire, il y a quelqu'un qui a... Il y a quelqu'un qui s'est rebellé. Attendez, je vais essayer de prendre les munitions de l'autre que j'ai tué. Il est où? Il est là. Elle est là, son arme. Parfait. Allez, je prends. Zou. Et je vais mettre en coup par coup. Parfait. Par contre, pourquoi ils ont mis une flares là, ici? Ah. Regardez les effets de lumière, hein, à l'époque. Hein. Regardez sur le gun. Hein. Oh là 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 là! Ça veut plus rien dire. Par contre, il est où, là, Jean-Claude? Ah, c'est pas loin. C'est juste devant. Je m'appelle Prophète. Hein. Moi, ouais, voilà. J'ai dire Chester, mais c'est nous, Prophète. Hein. Bon rapport. Quelque chose m'a attaqué par surprise pendant la descente. Hein? Je me retrouve coincé dans les arbres. Ok, Aztec. Tenez bon. On arrive pour vous aider. Mais ils sont où, les autres? Ils sont où de fou? Moi j'ai popé là, mais vous étiez à côté de moi, vous êtes où? Les mecs ils sont sur la montagne, on arrive! Dans 6 heures. Ok, bon ben je suis tout seul. Oh, mais ça c'est bien des navires américains. Désolé, mais excusez-moi, c'est des navires américains. Les Nord-Coréens ils ont pas ça, ils ont des kayaks. Je veux dire, voilà. Par ici. Ah, j'arrive. Et tu sais, le mec, on le voit avec la lumière à 5000 km. Allez, enlève ta lumière, gars! Mais enlève ta lumière! En fait, je ne suis pas seul ici. Aztec, qu'est-ce qu'il y a? Les Coréens, patrouille de 4. Ah! Non, mais ça négatif. Va, t'as une armure de baiser. Attendez, y a un truc. Oh punaise, oh punaise. Et vite. Aztec, dites quelque chose. Ah là, il est un. Mais. Aztec, répondez. Moi j'ai l'impression, au lieu de l'appeler Aztec, il appelle Pastèque. J'ai pas peur du diable. Prophète, à l'aide. Chester, allez le chercher, tout de suite. Mais. Oui, je peux comprendre qu'il ait peur, mais entre le mec qui fait des blagues à la con dans l'avion et les mecs qui ont des réparties de gamins de 7 ans, vous avez envoyé qui, la cour de récré, quoi, de ces gens? Et puis il dit, à l'aide à moi, tu sais, à l'aide à moi, mais c'est pas moi ton chef, quoi, tu vois. Quel mosse, quoi. Faut se mettre en mode force pour sauter force plus haut. Maximum. Hop là. Parfait. Armure, ouais, je me mets en armure maximum. Ouah, la brume est tombée. On a l'impression d'être... Bordel, c'est quoi ça?
Mais éteins ta lampe torche! Il est complètement con, ton collègue Pixel. Ouais, non, mais il est con. Éteins ta lampe torche! Faut qu'on retrouve Aztec. Ouais, mais tu... Eh hey. Non, mais attends, je veux pas dire. Faut qu'on retrouve Aztec, là, on n'a pas la map en grand. Mais faut qu'on le retrouve, ça fait 600 000 km carrés. T'as déjà été dans une forêt équatoriale? Je veux dire, il y a un moment... un moment, faut être lucide, tu vois. Ouh. C'est Lutte qui a fait ça? Bah, il s'est défendu. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bah, ils sont morts. Vous avez entendu? Ils ont pas mis des senseurs dans leur armure pour qu'ils entendent mieux et tout? Parce que c'est juste la force, la vitesse, et c'est un peu con, quoi. Oh, cette tension. J'aime pas ça du tout. Moi non plus. Il y a encore des cadavres devant. Regardez, la gestuelle était énorme hein, pour l'époque. C'était un truc de dingue. Hein. Ah merde! What the fuck? Ah ouais, il s'est fait dézinguer. Il a les yeux déjà blancs, quoi. Mort, chef. Bah, il est un peu partout. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? J'en sais rien, mais je crois qu'on n'est pas seul ici. Non, mais merci, il y a des... Négatif, chef. On a 4 Coréens morts, mais c'est pas Aztec qui les a tués. C'est autre chose qui a descendu ces mecs. Et qui les a déchiquetés. Et merde. Les gars, dites-lui adieu et repartez. On se retrouve à la zone d'atterrissage. Qu'est-ce qu'on fait d'Aztec, chef? On va pas le laisser pendu là? Négatif, je vais le vaporiser. Hein? On va laisser les Coréens mettre la main sur la combi. De quoi? Reculez. Ah ouais, le mec, il peut nous vaporiser à distance. Mince. D'accord, le mec, il a un bouton, il peut nous vaporiser. Adios, amigo. Et personne dit rien. Personne... Chester, occupez-vous de son équipement et couvrez nos pas. Attendez, Nomad, attendez. Attends. Compris, chef. Attendez. En charge, prophète. Ma lampe torche. Désolé, mais j'ai dit que je la mettais pas, mais... Mais regardez la tête qu'il a. Mais c'était quoi, ce truc? De quoi? Mais j'en sais rien. J'en sais rien. Tu me poses des questions, tout... J'en sais rien. Par contre... Oh. Ah, merde. Ah. On se casse. On se cassait vite. Vite, vite, vite. Fallait prendre ton matos, j'en sais rien. Il a été vaporisé, rien à foutre. Allez-y. Je me casse. Je veux dire, alors, s'ils ont une, une patrouille qui s'est... Bah ouais, ouais. Armure maximum, camouflage activé. C'est bon, je bouge pas. Une patrouille de l'APC. Occupez-vous-en. Discrètement, j'entends. Mais merci. Tu crois qu'on va les inviter à manger? Mais merde. Eh oui. Ils ont plus de nouvelles de leurs collègues. Camouflage activé. Et nous, on a le truc qui fait camouflage activé dans le buisson, tu sais. Désolé. Ça va être dur de viser en plus, là. Tant que je bouge pas, ça descend doucement, en fait. Vous voyez, j'ai ma barre bleue. Mais c'est de la merde, hein. C'est vraiment de la merde. Attendez, je vais me mettre là. Armure maximum. Camouflage activé. Parfait. Niveau d'énergie critique. Ça c'est fait. Camouflage activé. Armure maximum. Ah, il a parlé. Le mec, il est. Tu sais, il parle en nord-coréen, il se fait tirer dessus. Attention! Le mec, il est bilingue. Il est genre bilingue. Alors, attention. Ça, je prends. C'est à moi. Hop. Son arme est où? Par contre, il a vu direct son collègue dans... par terre. Hein. Je veux dire, il y a de la forêt partout. Il était où? Il était là. Il a fait, même moi, regarde, même moi, je le vois à peine. Hein. Le mec, c'est, il a des yeux bioniques. Hein. Ils ont même pas besoin d'armure. Hein. Bon, c'est bon. Allez, avance, là. Il est où, Jean-Claude? Faut qu'on avance. On l'a complètement perdu. Mais bon, il a parlé français quand il s'est fait tirer dessus. Hein. Alors, maintenant,
je me pose des questions, tu vois. Nomad, j'ai perdu le contact de satellite avec le JSOC. Tout ah notre affichage tactique est vérolé. Sérieux? Il doit y avoir un système de brouillage GPS coréen dans votre zone. Mais... trouvez-le et foutez-le moi en l'air. Mais... ok, prophète. Mais elle est préparée, cette mission, ou ça se passe comment? Parce que bon, je veux dire, on a l'air d'être... on a l'air d'être l'élite de l'élite à porter des armures, et les mecs, ils mettent un pied sur l'île, ils perdent un gars. Bon, déjà, il vaporise, ça veut dire qu'il y a un mec, il a les boutons littéralement de mort assurés sur nous. L'infiltration à la C-130. Ok. Surtout qu'on n'était pas en haute altitude. On sera en haute altitude, je dis pas, mais là, on n'était même pas en haute altitude, tu vois. Tu l'entends arriver, l'avion. Et de deux, il y a des navires tout autour. Et de trois, désolé, mais... mais les mecs, ils ont même pas prévu qu'il y avait de l'anti-brouilleur. Ils font une armure de dingue et on se fait avoir par des brouilleurs, quoi. Ok. Merde, ils ont branché leur grille-pain. On l'a dans l'os rétinien. Mais j'adore le jeu, mais merde, putain, c'est moi qui suis dans la sauce, dans la forêt, là. Calmos, quoi. Ouh, ça, c'est la scène connue. C'est la scène connue de Crysis, les enfants, regardez. Palaba, palaba, palaba. Ah, il est là. Ouais, bah, je les vois, merci, quoi. Oh. Ah ouais, il y a les jumelles. Je vois une grande baie d'émission. Ça doit être la station de brouillage. Ouais, les jumelles de Olson, les enfants. Référence. Les mecs qui font des tours et on fait des tours. Toi, c'est bon. C'est bon, il me voit. Mais what, pourquoi tu me fixes? Ouais, il a eu une petite pression. Mais il y a quelqu'un là-haut. Je peux loquer les poules? Le mec, il nous a loqué direct. Je sais pas si vous avez vu. Y'a rien d'autre, là? Ah oui, j'étais sur un rocher, comme un Debs. Allô? Y'a quelqu'un? Va falloir que je me mette là. Par contre, on a perdu notre collègue Rapido. Le mec, il fait, je m'en occupe. Je m'occupe du cadavre. Alors que t'as même pas besoin, quoi. Je veux dire, le cadavre, il a été vaporisé. Ouh! Ok. On y va. Il y a deux navires. Yesh. Là, il faut faire gaffe. Hein. On est en territoire ennemi. On l'était tout à l'heure, mais là, c'est encore pire. Hein. Maximum camouflage. Je change un peu. Ah merde! Kiki. C'est pour la tirer. Ça peut fonctionner. Hein. Le mec, il fait, Armure maximum. Une poule cendrée. Ah ouais, notre radar, il fait un peu la gueule. Mais on peut l'utiliser quand même encore, tu vois. Camouflage activé. Je vais essayer de me mettre... oula, c'était limite. Je vais essayer de me mettre là. Armure maximum. Voilà, on se remet en camouflage. Activé. Camouflage activé. Chut, attention les poules. C'est peut-être un système d'alarme, hein. Je sais qu'au Vietnam et en Indochine, ils faisaient ça, ils se mettaient avec des animaux pour... s'ils les voyaient paniquer, c'est qu'il y avait quelqu'un. Camouflage activé. J'ai vu un mec marcher. Ouh ! Niveau d'énergie critique. Et de 1. Je recharge. Mais elle est où mon arme d'ailleurs ? Comment ça se fait ? C'est moi où je me suis fait U là ? Non mais merci! Je suis au milieu des poules! Calmos! Je suis coincé. Armure maximum. Le problème c'est que je veux pas me... ah mais c'est la poule qui fait de l'ombre. Je veux pas me faire U, vous voyez? Parce que le problème c'est qu'il y a des navires. Et les navires, eux, ils vont me tirer à vue. Et ils ont de la calibre 50. Oh, mais ils ont des armes, là. Comment ça se fait qu'ils ont des armes à nous? Pistolet. Parfait. Je vais me mettre en mode comme ça. Camouflage activé. Prendre mon pistolet. Ah, je peux prendre un double pistolet. Je suis obligé de prendre un double pistolet, les gars. C'est un peu pété, non? Pourquoi un double pistolet? Chuck Norris, je vous l'ai dit. Ah ah! Lui... il va être... excusez-moi, j'ai fait un peu de bruit. Ça, c'est bon. C'est parfait. Oh là là, l'ambiance! L'ambiance est dingue. Là, je joue dans le RP, hein, les enfants.
Pour le moment, on... Oh merde. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a rien dans les mains. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du air gun. Et merde, il va y avoir des... Il va y avoir des renforts, là. Ça pue. Il y a des renforts qui vont arriver. Il a mis sa flares, hein. On est d'accord, hein. Camouflage activé. Non, c'est bon. Y a pas. Y a pas. Nickel. Armure maximum. Comment je fais ? Utiliser. C'est bon. On a juste appuyé sur on-off. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui arrive, il rallume. Ok, pas de soucis. Mais juste avant, j'aimerais bien voir si y a pas d'autres matos. C'est quoi ça? Ah! Ah merde, j'ai tout cassé. On a quoi là? Je vais lire les nouvelles. C'est qui? J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. J'ai bugué du cul. Faut que je me grouille avant qu'il y ait les autres. Prendre pistolet, munitions. Hop là. Allez, on se casse. Regardez comment je cours. Hein. Là, c'est ma course maximum. Hein. Bon, en même temps, il faut que je me mette comme ça. Maximum speed. Ouh, tout, 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 tout. Mais ça te prend énormément de... Énormément de ressources, les enfants. On avance. Pam, 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 pam. L'atterrissage est bondé d'ennemis. Ah merde. Chico et moi, on met les voiles vers le signal. Nomade, il y a un point de contrôle de l'APC qui bloque le passage en haut de la vallée. Occupez-vous-en en premier, je vous envoie les coordonnées. Je m'en occupe. Je vois qu'il y a du monde devant. Le problème, c'est qu'on est en mode caché, vous voyez. Il y a un truc au-dessus de moi, là. Je vois qu'il y a un passage. Parce qu'on peut vraiment se balader où on veut, hein, les enfants. Il y a des missions, mais... Merde. Ils sont vachement loin, ils avancent pas. Camouflage activé. J'avance. Ah ouais, ils avancent. Là, je vais être dans la merde. Niveau d'énergie critique, armure maximum. Ouah, j'ai eu de la chance. Hein. J'ai eu de la chance. Ah merde. Ils sont juste camouflage là. Activé. Je parle doucement. Armure maximum. Parfait. Alors là, je veux un GG. Je veux un GG. Parce que j'aurais pu faire ça aussi, vous voyez. Attention. Merde. Attention. Voilà, genre ça. Et j'aurais pu les écraser, tu vois. Ouah, le bordel que ça fout. Ça veut extrême. Enfin, ça veut rien dire. Ça fait un bruit de ferraille. Bon, on dira que c'est les rondins. Quand ils vont venir là, ils vont se dire c'est les rondins, ça, c'est... Et voilà. Camouflage activé. Armure maximum. Ça va. On a et pour le moment, ils savent pas qu'on est là, les Nord-Coréens. Camouflage activé. Armure maximum. Parfait. On a l'autre qui est là-bas. Ça va être un souci, ça. Ça va être un souci, les enfants. Aïe. D'où je me suis fait mal. C'est bon. J'ai ma combinaison qui me redonne de la vie. Parfait. Ouais, la musique. J'arrive. Cours. Allez, vite. Hop, on se cache. Là, je jongle. Pour le moment, je suis pas en mode bourrin, les enfants, parce que... on s'est pas fait repérer. Vous voyez, ils savent qu'il y a des morts. Ah, mais il y en a un là. Il y en a un dans la bagnole. Non. Ah ouais, là, ça va être un problème. J'ai pas de grungy. J'ai pas de grenade. Coucou. Ah, j'ai vu la tête de quelqu'un. Vous avez vu, il est caché derrière. Je lui ai fait coucou. Regardez. Camouflage activé. Niveau d'énergie. On me tire dessus. Allez. Votre combi prend cher, là. On s'en fout. Ah, c'était quoi? J'ai pris une grenade, c'est ça? Bande d'enfoirés. Écoutez, nous avons localisé le signal de
3 km à l'est. Simon et moi, nous montez dans le véhicule. Rejoignez-nous au point de rendez-vous. Attendez, montez le véhicule, okay, s'il vous plaît, parfait. S'il vous plaît. Voilà, merci. Oh, il s'en va. Dead. Merci, il y en a un et il y en a un autre là-bas. Et il y en a un autre là-bas. Je vais les attirer. Ça y est! Oh là 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 là! Là, on a été repérés. Enfin, ils ont pas envoyé de... Faudrait qu'il explose, là. Voilà! Ça, c'est fait. Il y a pas? Il vient pas. Oh! Ah, oh, j'ai bien fait de regarder. Ah, le mec s'est fait tirer dessus, mais il est venu en mode bon, allez, on va venir quand même. Moi, je peux prendre la munition. Voilà. Bon, ben, on a eu deux navires. Parfait. On a eu une autre voiture. J'ai vu que la voiture avait été touchée ici, à l'arrière ici. Je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, ça aussi, c'était dingue à l'époque. Voilà. Le pneu, il disparaît. Et zou, on avance. Je vois rien! Je vois rien avec. Je vois qu'il y a beaucoup d'ennemis autour de vous. Vous pouvez la profiter pas. Dès qu'il faut faire, il risque d'appeler des renforts. Ouais, bon, on s'en fout, hein. Qu'ils appellent des renforts, m'en fous, ouais. Je sais pas où ils sont. Je vois rien. Allez! On moissonne là! Allez, je sors. Attendez, je vais lui faire le coup de... Camouflage. Il sait pas. Il sait pas du tout. J'ai tout découpé. C'est moi où il se barre ? Niveau d'énergie critique. Mais il meurt pas ? Mais meurt ! Mais meurt, merci, quoi ! Pitié! Parfait. Fou. On a géré, hein. On a géré de fou. Je prends. Je sais pas où on est. Complètement perdu. Ouais, exactement. Attendez, je vais les faire paniquer. Camouflage activé. Armure maximum. Camouflage activé. Armure maximum. Ils font quoi ? Je sais viser. Allez ! Je sais. Ça c'est fait. Ouh. Ah oui, carrément, il sait qu'on est américain. D'accord, ok. Vous ne pouvez pas m'échapper. Ah, vous ne pouvez pas. Vous êtes sûr? Parce que moi, je m'en sors très très bien, là. J'en entends un autre. Par contre, je ne sais pas du tout comment on fait pour... Ah ouais, d'accord, c'est ça. Parfait. Il y a plus d'armes. Hop ! Voilà, et d'un... C'est bon ? Et merde. Oh les enfants, c'est la loose. C'est la loose intrinsèque. Parce que là, niveau mini-beach... Oh là là, je vais lui lancer ça. Maximum force. Vas-y. J'ai des munitions pour toi. Ouh. Ah
il est où l'autre là? Il a pris une caisse de munitions dans le bide, c'est fini quoi. Ah, des muni-beach, merci. Ah, des grenades, ça c'est encore mieux ça, ça c'est bien ça. Là, alors là, je suis refait. On est tombé sur un point de contrôle coréen en haut. Il va vous falloir du matos pour le passer. Prenez des grenades si vous en trouvez. Voilà, parfait. T'inquiète pas là, là j'ai les armes pour le passer. Ah ouais, je vais monter, ah oui. J'ai envie de faire, voilà, 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 je roule dessus. Allez! Oui! Oh, le carton, quoi! Allez! Bam! Allez. Le carton est phénoménal! C'est bon? Y'a plus personne? Je les ai eus. Tu sais que c'est interdit de lancer les... Ah, des grenades sur les gens. Hein. Oh, y'a un mec qui arrive. Y'a un mec qui peut... Ah! Il était en panique. J'en ai un derrière! J'en ai un devant! Mais mec! J'ai un merde. Ça c'est fait. T'en as un là! Ils sont là, là. Grungy! Attention! Ouh! Et voilà! Ils ont pris cher. C'est bon? C'est bon. Alors, on a un truc là-haut à aller chercher. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, la tour de contrôle. On est parti. Oh, le carnage! Par contre, on n'avance pas du tout. On se traîne du cul. Vous approchez d'une ligne de défense coréenne. Ouais. C'est le moment d'utiliser vos grenades pour c'est passer. Bon. Voilà, c'est passé. Il prend pas ses tirs, là? Tiens, il prend pas ses tirs! Ouais, toi, t'es passé en plein... Ouais, il les prend pas. Il les prend pas. Voilà. Munitions. Vite, parce que ça part vite. Hein. Ouais, le fusil à peupon. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Donc ça, je l'enlève. Je prends le fusil à pompe. Alors, parce que ça, c'est magique. Hein. Ça, ça va être magique. Elle est où, ton arme? Bon, tu l'as pu. Nomade, dépêchez-vous de venir au point de rendez-vous. Il y a un truc que je veux absolument vous montrer. Qu'est-ce que c'est, papa? Mais crève! Un truc comme ça, faut le voir, faut le voir. J'arrive. Mais what? Ils sont où? What? Double barrel! Ils sont où? Non, on voit rien. Il envoie des grenades! T'as cru vraiment? Ah lui, son fusil à pompe, il fait des dégâts de malade. Hein. Mais moi, je fais zéro d'ex. On est d'accord. Hein. Fusil à pompe. Comment ça se fait que je fais zéro d'ex? Ah, voilà, ça va être mieux avec ça. Merci. Oh, merci. Comment que ça marche? Ah, des grungy, des munibis. Ok. Faut que je le tape. Comment tu veux que je fasse? Faut le faire sauter? Genre comme ça? Cours! Cours! Bon, bah non. Allez, on y va, ça a servi à rien. Ah oui, non, si, ça a servi qu'on les a tous tués et... Ils peuvent pas utiliser. Ok, ok, zéro souci. Allez, zou, on avance. Oh là 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 là. On avait une mission secondaire là-bas, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, il faut que tu vois un truc. Bon, bon, on va voir ce qu'il y a. On va voir ce qu'il y a. Et vous avez vu, on a eu un petit temps de chargement. Et on l'a pas remarqué. On saute. Force maximum.
Voilà. Oh là là. On est dans un lit de rivière ou quoi, là? Oh. Il a vu qui? Pourquoi il a besoin qu'on soit là absolument? Vous voyez que j'étais pas occupé un petit peu, là? Armure maximum. J'entends des bruits. J'entends des bruits de dingue. J'ai rien pour les affronter, hein. Je sais pas ce que c'est qui a tué tout le monde, là, mais les Nord-Coréens, déjà, c'est un peu la loose. Mais là, c'est violent. Mais il est où? Wow! Qu'est-ce que... Passez pas trop tôt. Bah, tu vas te calmer? Vous le croyez, ça? Mais là! Mais... On dirait qu'ils sont pas très doués pour les créneaux en bateau. Ah ouais, mais au milieu de l'île? On se retrouve dans un premier lieu. Qu'est-ce que ça fout là? La fréquence sécurisée du JSOC. Il y a trop d'interférences électriques sur cette île. Hé chef, regardez ça. J'ai trouvé un tableau de Dali. Il y a une zone entourée en rouge. C'est dans cette vallée que se trouve certainement le site de fouille. Vous êtes sûr de ça? Pas du tout, mais on n'a pas d'autre piste pour l'instant. Allez, on y va. J'irai nulle part tant qu'on ne m'aura pas donné d'explication. On n'a pas été envoyé là pour localiser et évacuer des otages. Ouais. Et depuis quand les Nord-Coréens ont une saloperie de rayons givrants? C'est vrai quoi? J'ai l'impression d'être au pays des super-héros ici. Je vous ai dit tout ce que vous avez besoin de savoir. C'est des conneries et vous le savez! Aztec est mort et on n'a aucune idée de ce qu'il a tué! Je l'ai vu de près, chef. Il était mutilé, coupé en deux. Alors de quoi est-ce qu'on parle là? C'est pas seulement les Coréens. Chester a raison. Si ce Rosenthal était un simple archéologue, on serait pas là! Arrêtez votre cirque, psycho! Vous étiez au briefing, non? Tout ce qu'on nous demande, c'est de retrouver et de sauver ces chercheurs. Allez, maintenant, en avant. Et c'est un ordre. Y'a un truc, là! Wow! Il a chopé Chester! Faut y aller! Ouah, la vache! Faut y aller tout de suite! Ouais, bah oui, faut y aller tout de suite, mais c'est quoi? Allez, vite, vite! Vous l'avez vu? Il est parti par où? Ouah, ça a tout pété! Ça tire dessus! Ouah, les mecs se sont fait balayer! Bah oui, je les vois! Direction est. Allez. C'est la loose! Suivez sa trace, vite! C'est la loose! Putain, en plus, là, je sais pas si vous avez vu, mais il y a la faune et la flore qui a... Enfin, surtout la flore qui a réagi. Qui a réagi au cri. Oh là là là. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Allez, mais courez, les gars! Il faut vite y aller. Les mecs, ils sont derrière, quoi. Allez! Vite! J'arrive! Venez! Faut qu'on trouve Chester! Bah oui! Wow! Il se passe quoi? C'est Jean-Luc Mélenchon! Et merde. Aïe. Le temps de chargement qui coupe. Coupe tout. Oh punaise. Mort. Et sans fou. Après, il est bien mis, hein. Putain, merde. Qu'est-ce qui se passe, chef? On tombe comme des mouches. Si seulement je le savais, je vous le dirais. Reculez, les gars. Je dois le vaporiser. Ça te fait plaisir. Toi, t'as un problème, hein, pour vaporiser. Adieu, les gens. Mon pote. Le mec, c'est un péché mignon, non? Faut que je le vaporise. Armure maximum. Ouvrez l'œil, les gars. La régie de la PC est droit devant. Couvrez-moi. Oui. Non, mais je couvre personne, les enfants. Je couvre personne. Juste pour dire, c'est... Enfin... C'est quand même dingue. Que, comment vous expliquer, avec la tonne d'armure qu'on a, les enfants, la tonne d'armure qu'on a, on n'arrive pas à se défendre contre ça, hein? Bon, bref, les enfants, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a fait plaisir. On va pas faire tout l'acte 1. Ouais, non, je vous couvre pas. On va pas faire tout l'acte 1 parce qu'il y en a pour au moins encore 2 heures de temps. J'espère que ça vous a fait plaisir. Moi, je suis retourné dessus. C'était vraiment un bon moment. Voilà, je fais beaucoup en ce moment de je retourne sur ci, je retourne sur ça. Mais ça me fait énormément plaisir. Je passe un énorme temps, enfin un énorme, mais bon moment. Ça me rappelle énormément de souvenirs de jeunesse.
Et j'espère que vous avez passé un énorme moment vous aussi. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie tous de votre fidélité. Salut tout le monde.